lieve, hoe durven ze? Comment hostile? Peter Mertens, regent erop dat hij verkozen wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Il espère qu'on vote sur lui à Anvers. On va l'accueillir ici sur scène. Peter Mertens. Merci Manifesta. Bredene telt normaal 16.000 inwoners. Bredene telt vandaag iets meer dan 24.000 inwoners. Dat betekent dat we vandaag met meer dan 8.000 zijn op dit moment op Manifesta. Ooit willen wij het inwonersaantal van Bredene verdubbelen. We zijn met 11 miljoen Belgen. Allee, binnenkort zijn we met 11 miljoen en 1 Belgen. Bernard Arnault. De koning van de chacochen. De keizer van de parfum. De man van 32 miljard. De man die dus 32.000 keer miljonair is. De rijkste man van Europa. Bernard Arnault, hij wil Belg worden. En weet je waar hij gaat wonen is? In Ukkel. En weet je wie zijn buurman gaat worden in Ukkel? Ook een nieuwkomer in Ukkel. Het is echt waar, hè? Minister Didier Reinders. Dus de minister van de nationale interesten wordt de buur van de rijkste man van Europa. En Reinders heeft al laten weten dat Bernard Arnault van hem best Belg mag worden. Zo gaat dat dus, ons kent ons. Maar niet alleen Reinders, ook de N-VA heeft al laten weten dat ze Bernard Arnault met open armen willen ontvangen. De top van de Franse bourgeoisie laat maar gewoon komen. Zo vertelde Theo Franken, kamerlid van de N-VA. Geen taaltest, geen inburgeringstest. Nee, gewoon Belg worden, zegt de N-VA. Het is soms moeilijk te volgen. Dus Antwerpen is niet van iedereen, maar Bernard Arnault is wel van iedereen. Dat is de N-VA. Bernard Arnault die wil Belg worden. En ik vraag mij toch wel af hoe dat gaat uitleggen op de dienst vreemdelingenzaken. Nee, ik ben geen politiek vluchteling. Ik ben geen economisch vluchteling. Ik ben hier ook niet om het economische weefsel of het industrieel weefsel te versterken. Ik kom gewoon naar Belgeland omdat ze hier niet te lastig doen over erfenissen. Ik kom gewoon naar België omdat ze hier geen vermogensbelasting hebben. Ik kom gewoon naar België omdat ik hier met mijn firma's van de nationale interestaftrek kan genieten. Kortom, ik kom gewoon naar België omdat dat hier een fiscaal paradijs is. Net zoals de Cayman-eilanden, maar dan zonder eilanden. België, een fiscaal paradijs. België, het land waar achtereenvolgens Sabena werd verkocht, de ASLK werd verkocht, de staal werd verkocht en Electrabel werd verkocht. België, het land waar nadien die private bedrijven bijna geen belastingen betalen. ArcelorMittal niet, BNP Paribas bijna niet en GDF Suez ook bijna niet. Dus eerst heeft de privé onze banken en onze bedrijven gekregen en dan hebben ze de belastingsvrijstellingen gekregen. Onjuist, 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 riep meneer Libeer van de Vlaamse patroonsorganisatie VOCA deze week tegen mij op tv. Want België heeft een heel groot overheidsbeslag, zei hij. En donderdag stelde Vincent Reuter, de man van de Waalse patroonsvereniging UWE, er is een groot
overheidsbeslag in ons land. Dus precies dezelfde taal als FOPA, precies dezelfde taal als het VBO. Te groot overheidsbeslag. Maar wat bedoelen ze? Ze bedoelen daarmee het loon van de mensen. Ze bedoelen daarmee de sociale zekerheidsbijdrage, dat wil zeggen het uitgesteld loon. Ze bedoelen daarmee de belastingen die de werknemers moeten betalen op hun loon. Maar op hun eigen deel, de winsten, is er in ons land voor multinationals bijna geen beslag. Voor de middenstand wel, voor de KMO's wel, maar voor de grote multinationals bijna niet. Het is daar straks al gezegd door Alain Clauwaert, de 500 grootste bedrijven betaalden vorig jaar 5% belasting, 5,44% om precies te zijn. De waarheid is dus precies andersom. Er is in ons land een enorm privaat beslag op de rijkdom. In weinig andere landen slagen de multinationals erin om zo'n groot deel van de koek naar zich toe te trekken en zo weinig belasting te betalen. Daarom zeggen wij stop met het privaat beslag op de rijkdom, stop de fiscale concurrentie in Europa, stop de nationale interesten en de pamperpolitiek van de meest winstgevende multinationals. Zorg ervoor dat er een Europese vennootschapsbelasting komt van 33%. Zorg ervoor dat AB InBev, Solvay, ExxonMobil en Suez eindelijk hun belasting betalen en laat Bernard Arnault thuis. Ja, als je dat zegt, dan krijg je in ons land pas alle bandbliksems over je heen. Er is zelfs een patroonsorganisatie, VKW genaamd, die speciaal een vrije tribune in een krant publiceerde. En haar woordvoerster Caroline Ven schreef in dat krantenartikel in de Morgen dat de PvdA leidt aan een herverdelingsobsessie. Ik hoop alvast dat die ziekte, een herverdelingsobsessie, redelijk besmettelijk is. Wat moet je doen trouwens als je als inbreker betrapt wordt? Dat weet iedereen natuurlijk. Dan moet je zelf heel hard roepen, houd de dief! En dat is wat er gebeurt. De inbrekers roepen vandaag, houd de dief! Want de waarheid is, beste vrienden en kameraden, beste mevrouw Ven ook, er is een herverdeling vandaag bezig. In ons land, in onze buurlanden, in Europa, zelfs planetair. Men is de rijkdom aan het herverdelen. Maar dan wel op de neoliberale manier. Van arm naar rijk. Vandaag is het zo dat nauwelijks 0,5% van de volwassen wereldbevolking 38,5% van alle rijkdom op aarde bezit. En de laatste 2 jaar is hun rijkdom nog eens met 1/3 toegenomen. Dat is de herverdelingsobsessie van de multinationals en van de speculanten. Dat is de herverdelingsobsessie van diegenen die praten over budgetmeters voor mensen die geen gas en elektriciteit niet meer kunnen betalen, maar die nooit zullen praten over budgetmeters voor bonussen en gouden parachutes. Dat is de herverdelingsobsessie van zij die praten over degressieve werkloosheidsuitkeringen, maar nooit zullen praten over degressieve uitkeringen voor iemand zoals Pierre Richard, de CEO van Dexia, die nog 20 jaar lang meer dan 500.000 euro extra bovenop zijn pensioen krijgt. Het was zo afgesproken, zei de Hanen. Het was zo afgesproken. 500.000 euro extra per jaar voor degene die Dexia naar de afgrond heeft geleid. Beste kameraden en vrienden, er is een herverdeling bezig van arm naar rijk. Een herverdelingspolitiek die midden van deze crisis opgelegd wordt door de Europese Commissie. De Europese Commissie past daar 4 schaar toe. Ten eerste, besparen op sociale uitgaven. Ten tweede, de arbeidsmarkt versoepelen. Dat is codetaal om ontslag makkelijker en goedkoper te maken. Ten derde, prikkels geven aan de allerrijksten. Dat is codetaal om de belastingsverlagingen nog meer door te zetten.
En ten vierde, alles wat los en vast zit, privatiseren. Zo los je de crisis dus niet op, zo maak je de crisis alleen maar dieper. Ce n'est pas ainsi qu'on résout la crise, chers amis, chers camarades. Nous devons oser mobiliser les fonds financiers nécessaires. Nous devons oser contester la véritable culture de l'assistanat. L'assistanat financier des Arnaud et des Mittal, de ceux qui continuent à s'asseoir sur notre argent. Nous avons besoin de cet argent pour investir dans l'emploi public, dans l'énergie renouvelable, dans l'isolation des maisons, dans les crèches et dans les écoles publiques pour la formation de nos jeunes, dans des transports publics, dans le secteur de la santé et dans les soins aux personnes âgées, dans la recherche publique et l'innovation. Nous devons oser activer le capital et c'est pourquoi nous voulons un impôt sur les fortunes, une taxe des millionnaires. Les libéraux sont opposés à une taxe des millionnaires. Ils habitent à Uccle. La NVA est opposée à une taxe des millionnaires. Les démocrates chrétiens, les humanistes sont opposés à une taxe des millionnaires. Et le PS dit qu'il est pour. Et il le dit déjà depuis 93. Oui. Et quand est-ce qu'il dit ça, le PS? Pendant chaque campagne électorale, durant 2 mois, le PS dit qu'il faut être réaliste et s'en prendre au grand capital. Mais alors, après les élections, pendant chaque législature, il fait exactement le contraire. Et alors, d'un seul coup, cela devient irréaliste de prendre une seule mesure anticapitaliste. Et puis, il y a encore le SPA. Je ne participe pas au cri demandant d'imposer les millionnaires, car ce n'est pas ainsi que nous résoudrons la crise. C'est ce qu'a déclaré son président Bruno Tobac, voici 15 jours. Je ne participe pas au cri demandant d'imposer les millionnaires. Mais vraiment, vraiment, comment allons-nous donc aborder les économies? En participant au cri contre les chômeurs, en faisant descendre les allocations de chômage sous le seuil de pauvreté européen, en participant au cri contre la prépension, faire travailler les gens plus longtemps et en même temps rendre plus difficile les pauses au travail et les créditants. Vraiment, est-ce qu'on va résoudre la crise en participant au cri contre les salariés, en disant qu'ils sont trop chers, qu'ils doivent travailler 1 heure de plus gratuitement et que l'indexation automatique doit être réformée? Ceci n'est pas une discussion de comptoir, ce n'est pas un débat philosophique, c'est un débat sur l'avenir des travailleurs dans notre pays. Nous ne paierons pas leur crise. Je sais, il y a des gens dans notre pays qui mettent en garde contre le simplisme du PTB. Il y a des gens dans notre pays qui disent qu'une taxe des millionnaires, un service public bancaire avec des garanties d'État, une mise sous statut public de la sidérurgie, que tout cela, c'est la démagogie électorale du PTB. Soyez réalistes, disent-ils, avec un énorme mépris. Le monde est beaucoup plus complexe que cela. Mais ces mêmes personnes estime que toutefois qu'il est réaliste que les villes et les communes jouent au casino chez Dexia avec l'argent public. Ces gens estiment
Je bent parfaitement réaliste. De maître une hypothèque sur l'avenir de notre pays en accordant à Dexia Holding une garantie d'État de plus de 53 milliards d'euros. Ces mêmes personnes estiment qu'il est tout à fait réaliste que l'on supprime des milliers de trajets de bus au TEC et à Adelaine, que l'on économise sur l'enseignement, que l'on économise sur les logements sociaux, tout ça pour payer la crise bancaire. Et après le 14 octobre, ces mêmes personnes diront qu'il est vraiment réaliste que les sacs poubelles deviennent plus chers, que les bassins de natation deviennent plus chers, que les taxes communales augmentent, que les hôpitaux de quartier et les bibliothèques soient fermées. Ça, c'est leur réalisme. Mes chers amis et chers camarades, leur réalisme n'est pas notre réalisme. Et on peut le dire une fois très haute, notre réalisme, c'est le réalisme des gens qui font tourner ce pays. Notre réalisme, c'est le réalisme des boulangers qui cuisent le pain, des éboueurs qui veillent à la propreté des rues, des dockers qui travaillent à poste, des gens qui quotidiennement nous délivrent notre courrier, des sidérurgistes d'ArcelorMittal, des travailleurs de Philips, des cheminots, des enseignants qui donnent cours à nos enfants. Notre réalisme, c'est le réalisme de la classe ouvrière, camarades. Et notre réalisme, c'est de mettre un terme à cette gigantesque expropriation privée sur les richesses. Notre réalisme, c'est vouloir une société dans laquelle on respecte la mère de la richesse, notre planète. Une société dans laquelle on respecte le père de la richesse, notre force de travail. Comme le dit l'écrivain portugais José Saramago, cessons d'être patients, nous l'avons déjà été trop longtemps. Choisissons une autre voie, même si elle ne se trouve pas à l'intérieur du système. Disons et faisons des choses qui sont en accord avec nos convictions. Suivez vos convictions, chers amis et chers camarades, et rejoignez le parti de vos convictions. Merci. Peter Mertens, dames en heren. Peter Mertens blijft bij ons. We gaan nog een heleboel mensen aan uw zijde roepen. Nous avons parmi nous aussi Lisa Mazin, présidente de Gabriela's Women's Parties Philippines et membre de la Maison des représentants. Lisa Mazin! We hebben Carlos Lozano, hoofdredacteur van Vos uit Venezuela. Carlos Lozano. Salah Amouri, militant van de Palestijnse zaak, La Cause Palestine, vrijgekomen uit een Israëlische gevangenis. Nous avons parmi nous Raoul Heide
Bouw, porte-parole du PTB qui se présente pour les élections à Liège-Ville. Yeah! Van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, Médecins du Peuple.